quelle douleur! C'est l'œuvre des rayons de Simba! Ah, je ne supporte plus leur gémissement! Brûlé! Il faut absolument faire quelque chose pour neutraliser ces maudits rayons! Oh oui, maître, mais ils sont puissants et puis ils brûlent! À propos de brûler, je ne supporte plus cette odeur! Ah ça, moi non plus! C'est une odeur qui vous soulève le cœur! Tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis, espèce d'imbécile! Ah, non. Il faut que je cogite un plan pour me débarrasser de ces rayons! Le mieux serait d'attirer Simba dans un piège. Mais pour cela, il faudrait l'isoler des autres. On ne combattra plus jamais contre Simba. On en a ras-le-bol de se faire démolir. Je n'arrive pas à me concentrer avec leur jérémiade. Je vais leur dire, maître. Arrêtez de faire tant de bruit. Le maître réfléchit. Attends, le larbin. Tiens. Attends, prends ça! T'as pas assez! Qu'est-ce que tu as sur la tête? C'est un masque pour les poils, ça les rend brillants. Je me demande quel peut bien être l'objectif de Simba. C'est celui de vous détruire. Ça, je le sais. Oh, pardon. Ce que je voudrais savoir, c'est jusqu'où va-t-il aller? Ben ça, je n'en sais rien, grand maître. Vers quelle destination se dirige-t-il ainsi? Moi, j'en sais rien, mais je pensais que vous le sauriez. Crétin, c'est pas à toi que je cause. Vous le savez pas? Je suis sûr que Simba et ses amis se dirigent vers la plaine du Kilimandjaro. Je crois que vous avez raison, ils sont au Kilimandjaro. T'es un bon serviteur, n'est-ce pas, Kirby? Alors écoute-moi attentivement et tâche de comprendre. Trouve-moi quelqu'un de ma troupe qui connaisse la région du Kilimandjaro. Oui, oui, maître, je comprends. Va, et ramène-le-moi. Bien, entendu, maître. Tu sais, un jour, j'aimerais t'emmener voir mon pays. Tout est beau dans la jungle, les arbres, les fleurs, les oiseaux, le ciel. C'est plein de couleurs et de chants d'oiseaux. Est-ce que toi aussi, tu as la nostalgie de ta vallée, parfois? Oh, sûrement pas. Elle était pleine de monstres hideux et repoussants, hein, ta vallée? Oh, pardon. Je ne voulais pas te vexer. Tu es mon ami et je suis sûr que toi aussi, tu connais la nostalgie. Oh, quel endroit effrayant! Moi aussi, je pense souvent à la jungle. Quand arriverons-nous? Je suis harassé. J'en sais rien. Sais-tu ce qui me manque le plus de la jungle? Hein? Non, quoi? Ces deux bancs tortillés sur une branche, sous le soleil. Et de faire la sieste. Moi, ce qui me manque, ce sont les abeilles et leur miel. Bon sang, qu'est-ce que je donnerais pour une bonne cuillerée de miel? Il y a une chose qui me déconcerte. Vous vous faites piquer par les abeilles, mais cela ne vous empêche pas de manger leur miel. Parce que c'est tellement bon que ça vaut bien quelques piqûres.
Sois content, en Afrique, il y a aussi des abeilles. Qu'y a-t-il? Tu as vu quelque chose? Grand maître! Alors, vide ton sac! Il est arrivé! Ah oui, qui ça? L'animal que tu attendais et qui connaît bien le Kilimandjaro. Ah, je te salue. Je suis le général Facochère, à ton service, grand maître de la jungle. Bien, bien. Fais un bon travail, Kirby. Merci, chef. Tu me plais, général Facochère, tu me plais. Dis-moi, est-ce que tu connais la région du Kilimandjaro, général Facochère? Oui, chef, je la connais comme mes défenses. Comme tes défenses? Oui, chef, nous avons longtemps combattu dans cette zone. Combattu? Contre les hommes. Contre les hommes? Oui, chef, des hommes blancs d'une expédition scientifique qui était venue de très loin. Nous avons appris beaucoup de choses en les combattant. Pourquoi avez-vous combattu? Parce qu'ils construisaient des pièges pour capturer les animaux et ils les gardaient le temps de les mesurer et comme de regarder leur temps, puis ils les libéraient, chef. Continue, je t'écoute. Seulement, quand ils capturaient l'un de nous, ils bavaient et prononçaient des mots étranges comme jambon ou saucisse. Et beaucoup d'entre nous n'ont, eux, jamais été libérés, chef. C'est effrayant. Pardi, vous êtes cousin des cochons, les hommes les ont mangés. Ah, c'est barbare, capturer des pauvres animaux et les... Toi, pas la peine de te faire du mouron. Jamais les hommes ne mangeraient un animal aussi repoussant que toi. Pas vrai, Facochère? Affirmatif, les hyènes étaient toujours libérés. Quant à nous, nous avons appris à éviter les pièges. Ah, nous y voilà. Tu connais donc ces pièges? Affirmatif. Alors raconte-moi comment on les construit. Mais assieds-toi d'abord. Quoi? Si on ne lui donne pas l'ordre militaire correct, le général Facochère restera au garde à vous. Hein? Edith, repos. Général, repos. Et assieds-toi. Ah, à vos ordres. Simba, tu vas bien? Que s'est-il passé? Hein? Rien du tout. J'ai juste buté sur une pierre. Je ne vois aucune pierre. Tu ne la trouves pas un peu bizarre? Ça, je veux en avoir le cœur net. Allons.
Allons voir ce qui a intrigué Simba. Jeune ami Simba. Voilà une drôle de manière de courir. Pourquoi sautes-tu ainsi? Tu cherches à devenir grand comme moi par hasard? Non, je voudrais plutôt devenir grand comme un chameau. Dites les pirates, je peux savoir ce que vous faites sur ma tête. On était un peu fatigués. Le canari nous a dit que l'altitude nous ferait du bien. Oui, et puis je leur ai dit qu'ils verraient bien mieux du haut de tes cornes. Et qu'y avait-il de si important à voir? Rien, enfin, le paysage. Allez, salut! Allons bon, ils s'en vont maintenant. C'est bizarre quand même. Il fait chaud et les animaux sont fatigués. On pourrait peut-être se reposer un peu. Qu'en dis-tu? Hein? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu es devenu sourd? Simba! Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois être épuisé toi aussi. On devrait se reposer. Tu te trompes, je ne suis pas fatigué. Mais tu as raison quand même, il vaut mieux se reposer un peu. Arrêtons-nous! Ici, les barrages sont installés le long de cette ligne. Les cercles représentent des pièges. Il faut que les pièges soient très profonds. Ah, je vois. C'est intéressant. Oui, c'est certainement très intéressant. En combien de temps sont-ils prêts? Eh ben, en comptant 2 jours pour chaque piège, ça en fera 10. Une nuit, chef. Nous n'avons pas notre appareil pour construire des pièges, chef. Vous pouvez me croire. Une nuit? C'est surprenant. Mon œil. Ferme-la, imbécile. Dans ce cas, mettez-vous au travail. Nous devons auparavant effectuer une reconnaissance, chef. Une reconnaissance? Une reconnaissance consiste à aller reconnaître les positions ennemies.
Je vois que vous vous y entendez en affaires militaires. Vous allez me faire rougir. Bon, assez perdu de temps avec ces sottises. Partez en connaissance. À vos ordres, chef. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter mon commandant. Avec plaisir. Cochère. Gardez-vous pour le général! C'est pas moi qu'il faut saluer, c'est le tigre! Seigneur, le commando est prêt à tous vos ordres! Nous sommes fiers de pouvoir vous servir, Anda! Le salut est terminé, maître! Je vous remercie, commandant! La victoire est dans vos mains! Je compte sur vous! Nous sommes prêts pour la mission, pour l'exploration et encore un prix, nous levons, commandant, pardon! Tu vois, tu devrais être comme ces jeunes gens. Je pourrais pas, maître. Vous savez bien que je chante faux. Tu n'es qu'un crétin sans aucun courage, doublé d'un imbécile. Je vais être courageux. Écoutez, 1, 2, 3, nous creusons, nous courons, personne ne nous arrête. Nous faisons des pièges, nous sommes d'excellents chanteurs, et nous sommes des commandos, et en cœur, un cri. Le vent en avant, commandero, partant pour la mission. Yeah. Il se comporte de façon étrange. Sans doute, sans doute! Mais qu'est-ce qui te fait dire ça exactement? Oui, il est absent. Il n'écoute pas ce qu'on dit. C'est comme s'il avait la tête dans les nuages. C'est incompréhensible. Il a l'air en pleine forme. Et ce n'est pas tout. Boule, les pirates et le canari sont bizarres aussi. Je me demande ce qu'ils ont tous. Ça ne peut être qu'une épidémie causée par cette longue marche en plein soleil. Voilà ce que je crois. Mais alors, nous sommes tous menacés. Oh, pauvre de nous. Et les conseils d'Odnalrou nous seraient nécessaires. Et c'est vrai, mais il est parti à la rencontre d'Arbor et il n'est toujours pas revenu. Justement, puisqu'on ne peut pas compter sur lui en ce moment, il nous faut résoudre le problème par nos propres moyens. Il nous reste un long chemin à parcourir. Aussi devons-nous guérir Simba et vite. Qu'avez-vous à rire ainsi? En tout cas, n'oubliez pas que le danger nous guette et que nous devrons déjouer bien des pièges. Attention, Simba vient vers nous. Il ne doit rien savoir de cette discussion.
Nos amis réussiront-ils à découvrir quelle est cette étrange maladie qui a touché Simba? Et notre malheureux héros réussira-t-il à rencontrer l'élu de son cœur? Et que leur réserve le terrible commando des facochères chanteurs? Nous le découvrirons ensemble en regardant la suite des aventures de Simba. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous lisons ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit, on fait la course, on se faufile partout et la nuit nous endort, quelle est belle la vie, comme la jungle est jolie, elle est notre mère, c'est une autre maman, Arbor est notre papa. Chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur, à la balle joue le chien, il joue vraiment bien, le serpent se faufile et les singes sautillent, nos souris qui marchent, on dirait des stars, le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.